plus jeune, Caroline était plutôt portée sur la danse et la musique. Philippe, lui, était plutôt très sportif. Ils ont tous les deux des points communs, comme les animaux domestiques. Pour Philippe, c'était chien et poisson. Pour Caroline, c'était lapin et hamster 1 et 2. Petit gribouille, le lapin, oui. Ils continuent d'aller tous les deux au ski. Moi, j'aime skier, qu'il fasse bon ou mauvais. Moi, j'aime skier. En avant, en arrière, s'envoler dans les airs. De surfer, je ne peux plus m'arrêter, qu'il fasse bon ou mauvais. Moi... Philippe est un peu plus casse-cou, même si ça ne passe pas toujours. Mais il arrive vite à se relever. Très jeune, Philippe commença à dessiner dès qu'il avait un moment de libre. Et si l'actualité l'inspirait, il créa surtout un personnage, le marmoton. Et un jour, le marmoton devint marmou. Caroline, elle, entretenait sa créativité en famille. Puis vint le temps du lycée. Et sans le savoir, ils auraient presque pu faire des histoires communes avec leurs amis. Bonjour, je suis l'inspecteur. Alors, je rentre dans mon QG là. Tiens, le trou d'éthique, PD. C'est mon patron. Quoi, qu'est-ce que tu me vas faire un bras d'honneur, tu me cherches. C'est mon patron. Bonjour. Bah, je suis en merde. Franchement, je voudrais commencer à les taper. Oh. Ouais, ouais, cache-toi, toi! Non, tu me diras. Oh! Comment tu fais ta mère? Tiens! Ouais, bah, de toute manière, c'est bon. Vous avez bien fait de tirer parce qu'à mon avis, il nous aurait pas fait de cadeau. Nous sommes le 15 avril 1996. Le sujet est un homme d'une vingtaine d'années d'environ. Nous devons retrouver le corps dans une forêt. Sa mort ne remonte probablement pas à cette nuit, mais. Plutôt à hier en fin d'après-midi. Caroline se posa la question de poursuivre vers des enquêtes officielles via la fac ou de poursuivre son rêve en enfant et de devenir dessinatrice. Attends, je vais de ce côté ou de ce côté? Ce côté ou de ce côté? Ah, c'est bon. Après le bac, Marmou fit une année à Émile Cole. Et ils intégrèrent tous les deux l'école Pivot à Nantes. Marmou et Micarona y développèrent leur art. Ah oui, la signification de Micarona. C'est le A de Mathilda dans le film Léon, le carreau de Caroline, et au final Micarona parce que ça pouvait aussi faire macaroni. Si Caro a pris l'ancrage des BD, elle se tourna plutôt vers la couleur. Nos deux artistes se rencontrèrent donc à l'école, qu'ils achevèrent avec leur projet. Écoute bien,
La ville appartient aux éléphants et les éléphants bossent pour moi. Et j'aime pas les castors mexicains. Je suis un pingouin. Un moment, il a dû se passer un truc comme ça. Attention, là-bas, il y a des amoureux. Alors, et ils commencèrent à vivre ensemble. Attention, le bordel à carreaux. Oh là 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 là. Oui, je sais pas quoi je vais dire. Pour une fois, c'est pas le mec qui fout le plus de bordel. Non. Ils découvrirent qu'ils étaient tous les deux fans de films de George Lucas. Philippe était peut-être plus penché sur Indiana Jones parce que petit, il fait des rencontres extraordinaires. Mais Caro vit peut-être en lui un chevalier des temps modernes, car il fut bretteur novice, jeune cavalier, et il n'avait pas peur de s'attaquer à plus grand que lui. Mais ça, c'était avant de découvrir sa réécriture de Star Wars. Ah, ah, que ma vie est triste dans ce désert, tout n'est que misère. Mais non, avec un décapote Vador, mon cul adore. Maître des capotes, tu dois. Il faut mettre des capotes, les copains. Bordel. Mettez des capotes. Même s'ils ne disent pas non à une bonne bière, surtout Philippe, Caroline, elle, elle préfère le cognac. Bon, ouais, canard. Bon, canard. Et puis Caroline découvrit la créativité capillaire du marmot. T'aurais pu prévenir avant, je te l'aurais fait, moi j'avais le temps. Ton coiffeur te connaît mal, chaque fois ta face il te la ravale. T'aurais pas pu le dire avant, deux, trois mèches c'est pas bien méchant. Ton coiffeur est original, t'as vu ta tronche, on dirait un os à moi la prochaine fois que t'y vas. Je te lis tout de suite, tu ne me reverras pas, j'aurais pris la fuite. T'aurais pu prévenir avant, j'aurais pas fait venir mes parents. Il continue toujours à faire des activités sportives. Philippe avec le badminton, Caroline avec la salle de sport. Lors de leurs premières années en couple, Philippe travaillait à la boîte à pizza. D'abord en tant que livreur, jusqu'à son vol plané. Mais là encore, Marmoux s'en est finalement remis. Puis, il intégra Leclerc culturel, ce qui lui rappela peut-être un peu son premier travail au rayon boisson de Chopi. Caro, elle aussi, elle connaît Leclerc. Sponsorisé par Leclerc. Madame, voulez-vous essayer cet objet magnifique qui vous rendra un teint, mais excellent. C'est le super Ajax. Je veux bien, enfin, c'est sûr. Oui. Toujours sponsorisé par Leclerc. Oh madame, mais vous êtes magnifique. Vous avez vu cet art ? C'est grâce à Ajax. Merci monsieur.
Avec tout ça, ils ont quand même le temps de travailler à leur passion. Et ils se font éditer, soit chacun de leur côté, soit sur les mêmes projets. Comme tout dessinateur, Marmoud donne parfois un peu de lui dans ses planches. Comme ici, avec ce téléphone portable. Ou cet autoportrait de matin difficile. Mais là où il nous fit le plus entrer dans son intimité, c'est sans doute dans le magazine Le Cri du Menhir, en particulier sur cette planche. Alors c'est pas tout à fait le fait de boire une bière avec ses potes. In the middle of the railroad track. Ni de partager avec nous sa position de fin de soirée. Game over. Non, c'est ce sigle-là. Crocs balèzes. Crocs balèzes. Ils aiment la crocs et ils sont balèzes. Pour la partie crocs, ok, c'est facile. Pour la partie balèze, on voit à peu près. Mais il y a encore des mentions sur l'étiquette, comme... à servir très fort. Peut-être une référence à la musique du groupe, mais bon, en photo, ça ne donne pas grand chose. Pour Philippe, comme pour Caro, tout ça, c'est d'abord une histoire d'amitié, dont certaines commencèrent dès la maternelle. Ils savent faire la fête. Et puis un jour, il eut un gros bisou. Et après 9 mois d'attente, pendant que Caro travaillait, ils sont arrivés. Bon, nous sommes d'accord, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs enfants de
pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on est. Ce que l'on voudrait dire, on écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs. Sur le monde.